Mais dès que je suis rentré sur le terrain, le stress est parti tout de suite et je me suis mis dans mon match et tout allait correct. Non, non, pas aussi vite, mais j'espérais. Dans mes rêves, j'espérais pour un but. Oui, oui, on a eu une bonne semaine de pratique. On a suivi le plan de match que l'entraîneur nous a dit et ça, vous avez vu sur le terrain, tout était bien passé. Well, it feels great. It's been a while since I, you know, put a 90-minute game, but, sure enough, it felt great to score, but I also think it felt even better to win the game. I know it's been a difficult season, and to win in front of the crowd like this, it's great. Well, I think it's all about the decision making and just deciding to come out and perform. Do the best you can to help the player next to you, and I think the results will come as long as we do that. Yeah, I feel a little tired, but we got a whole week till the next game, so I have enough time to be ready for the next game. Ouais, c'est y avait beaucoup de duels et mais bon, ça me correspond, ça me va tout à fait. Maintenant, comme je disais, c'est collectivement, je pense qu'on a répondu présent, du premier au dernier, même les remplaçants qui sont rentrés ont apporté leur touche. On a retenu nos défauts de la semaine dernière, du match dernier plutôt, et voilà, cette fois-ci on est récompensé. Mais c'est pas fini, c'est comme on dit, c'est qu'un match et il reste encore 7 matchs à faire, à nous de prendre le maximum de points pour faire les playoffs. Bah, même s'ils avaient gagné, on est recrues jusqu'au bout. Donc voilà, ils ont 7 points, mais on va pas trop se focaliser sur eux, plus se focaliser sur nous, sur nos qualités et travailler tous les jours à l'entraînement pour pouvoir participer aux playoffs, parce que ce serait dommage avec la belle équipe qu'on a, le beau stade et le beau public, ce serait dommage de pas y participer. Yeah, definitely a relief. And you know, something I think we've deserved. It could have been a little bit better at times, our finishing even, but it feels good to get a shutout and a win. Probably. We were clinical in front of goal. We defended really well. And we were good in possession as well, so probably. Yeah, I think we've been seeing over the past few games that it's been starting to click. And just a few plays or a few pieces we're missing. But we've been working hard in training and I think it showed today. Ça dépend comment tu le vois, parce que est-ce que c'était la meilleure équipe? Non. Mais je pense qu'on est rentré avec la mentalité de rien donner, de mettre beaucoup de pression sur eux. Vous savez, avec Kieran O'Brien qui aime beaucoup le ballon, on a été capable de l'éliminer la plupart du match et on a créé des occasions. Je pense qu'on a assez de qualité et mouvement aujourd'hui avec le mouvement de Sebrango et Ilchu. Ça a créé plus d'espace en milieu pour Sinisa, pour Poor, pour Westlake. Amir, il a bien équilibré entre la défense et l'attaque. Alors, en général, c'était quand même un effort incroyable. Et offensivement, on a géré le match. On a géré le ton de match pendant tout le match. Mais mon message, c'était qu'au lieu de 2 à 3 passes, il fallait mieux gérer le match, essayer de prendre 5-6 passes et après essayer le ballon en profondeur. Mais vous avez vu, même en deuxième demi, sous le 3-0, chacun revenait parce qu'il s'attendait au pire. Et je pense qu'ils avaient cette attitude de rien donner. Et on a été capable quand même en deuxième demi, de contre-attaquer. Mignan, il est bien rentré. Excellent ballon de Sinis. Alors, en général, c'était vraiment positif. I hope there is. I think they feel very good about themselves. You know, I try not to think of the mini Laguna on Wednesday, because it kind of felt like a mini Laguna. But, you know, they came strong today because it's you know, thinking about what happened against Tampa Bay and you know, not getting the victory, to come in today and still believe in it. There's a lot of belief in that dressing room. I can tell you that there's a lot of belief that we can slip into the playoffs. And you know, that's the way I want them to feel, because you saw today that there's quality, there's experience, and we need to keep going forward. We have a week to prepare for Minnesota.